Bonjour, nous voici pour une vidéo déballage, encore une fois, pour le feu du 30 juillet. Cette commande vient du magasin de pyrotechnique Magic Pyro Shop, un très très bon magasin, je vous le recommande. Voilà. Avant de commencer ce déballage, j'aimerais porter un coup de gueule sur la société concurrente à Magic Pyro Shop, c'est-à-dire les magiciens du feu, qui se permettent de critiquer ouvertement en public la façon de travailler, la façon de faire, la façon de tout, en fait. Et ça, je ne supporte pas, je trouve ça complètement dégueulasse, et c'est pas du tout fair-play. Surtout que cette bande d'abrutis de magiciens du feu se permettent de vendre des produits on va dire très connus du type Cobra, et ils font passer leurs cobras pour des vrais cobras qui sont de Di Blasio. Donc en plus d'être des enflures, ils se foutent de votre gueule. Voilà, bon, c'était mon petit coup de gueule, hein. Pour ceux qui me connaissent, bannir le site Magicien du Feu, c'est le plus grand plaisir que vous pouvez me donner. Voilà, c'est parti pour le déballage. Je vais me rapprocher, tac, on voit bien, ça vient bien de chez Magic. Hop. Et c'est parti. Donc il y a quelques colis quand même, comme vous pouvez voir. Donc ici, allez, on va commencer par les petits compacts de ce style. C'est 9 coups 20 mm, conseillé par Yannick 0260. Je les ai vus en vrai, sérieux, c'est vraiment sympa pour des petits compacts aussi ridicules que ça. Donc on nous a bon, 2 J-Mini. Deux autres J-Mini. Ensuite, nous avons le petit frère. Ce sont des cancers. Donc pareil, un 9 coups 20 mm. Et nous avons aussi deux autres cancers. Donc 4 cancers, 4 J-Mini. Ensuite, nous avons les révolutions JW 163, compact très sympathique, avec une forme sympa, avec un petit marron de 30 à la fin, pareil, je les ai vus en vrai, ils sont pas mal. Ils sont pas donnés, mais ils sont pas mal. Un comme ça, un deuxième, bon je suis tout seul donc j'arrive pas forcément à cadrer, et un troisième. Donc ce sera lors d'un, pareil, d'un tableau, il y en aura trois. Comment ça s'appelle, espacé de à peu près 3 fêtes. Ensuite, dans ce carton-là, nous avons la nouvelle marque justement de Magic Pyro Shop. Pyro Shop, non, Pyro Shop, ça suffira. Donc là, c'est un éventaillé Salut, marron, de 20 mm, avec tronc. C'est vraiment très 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 sympa, je l'ai vu en vidéo. Je vous le recommande. A priori, ça va pas être mal. Donc voilà pour le premier carton. Tac. On va faire le deuxième carton. Donc ils sont déjà déballés parce que on a été obligé de vérifier les commandes. Hein. Donc vous inquiétez pas, ça ne change rien du tout. Nous avons encore un petit compact. 20 mm 16 coups. Il avait l'air sympa, donc je l'ai pris. Pareil, c'est vraiment un petit prix, donc je l'ai pris aussi. Ensuite, nous avons encore des JW12. Cette fois, c'est pas sur un site étranger. Je les ai achetés directement en France chez Magic. Deuxième, pareil, la hein, même chose, je les trouve très jolie. Ensuite, nous avons 4 Happy Thunder. Alors, ça ressemble au turbo de Jacques Prévost. Donc, ça envoie 25 petits marrons de 20 mm en une seconde, deux secondes. C'est assez sympa. Ils sont beaucoup plus jolis, par contre, que ceux de Jacques Prévost. Par contre, c'est pas très donné. Mais l'effet est sympa. Donc j'en ai pris 4 comme ça. Hop, ce carton là, il est fait. Donc on commence à voir une vue d'ensemble de tout ce que j'ai encore commandé. Voilà. Ensuite, nous avons une queue de pan pot à feu de chez Jorg, 10 coups, 30 mm. Hop. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce que nous avons? Oh, il y a encore des choses là-dedans.
Ce sont des cajots Peja. Alors j'en ai pris 5 pour faire un tableau. Et au cul-cul. Là. 5. Voilà. Et 5. Bon, c'est un peu château brûlant, si ça tombe, c'est pas grave. Hop. Ensuite, nous avons 4 chandelles 25 mm, 10 coups en limone, donc citron. Ensuite, des retards que fait magique, et on chope 2-3 secondes. Ensuite, nous avons des Coconuts Groove. Je vous invite à le regarder sur internet, sur YouTube. Vous allez voir, il est très sympa. C'est un 30 mm. Non, c'est pas un 30 mm celui-là, c'est un 25. Je crois que c'est un 30 celui-là. Non, c'est un 25. C'est un 25 ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 36 coups. 36 coups. 25 mm. Il est vraiment très 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 joli. Ensuite, un deuxième. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, je crois que ça commence à diminuer. Hein. Encore la série des Thunder. Hein. Vous voyez, j'ai le Titanium Thunder, l'Happy Thunder, et là, c'est le Thunderstorm. C'est un compact droit de pareil, c'est des petits saluts, des petits marrons de 20 mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit un, je sais plus, un 50 coups, je crois, un truc comme ça, ou 60 coups, 60 coups, marqué dessus. Voilà. Ensuite, il nous reste, j'ai ici des petites bombes. Bon, je ne l'ai pas pris beaucoup parce que j'en ai déjà énormément. On a une bombe Yorg, on s'en fout, hein, c'est une pivoine bleue, l'autre c'est un coconut pistil, et là une verte. Bon, hein, oui, ça va, la force, hein, les bombes. Et ensuite, il reste. Oh putain, ça va se casser la gueule, j'en aime pas. Oh, bon, c'est du classique, hein, mais classique, hein, il est toujours bon. Un Red Baron. Donc voilà pour la commande réalisée chez Magic Pyro Shop. Pensez à la petite annonce que je vous ai fait tout à l'heure. Évitez ce site Magicien du Feu, me ferait le plus grand plaisir. Voilà. Je vous fais une petite vue rapprochée. Donc il y a de quoi. Il y a de quoi faire déjà dans tout ça. Sachant qu'il me manque encore quelque chose, bon, on arrive vraiment à la fin de tous les déballages. Il me manque encore 4 paquets de JRC10 de chez York. Ce sont des chandelles traçantes 20 mm. Et il me manque aussi 2 bombes de 75 mm. Voilà. Allez, à bientôt pour une vue complète de tous les compacts.